avec des banderoles de couleur blanche, des pancartes brandies et un sifflet que la population du village de Ngbekro, située à 12 km de Yamoussoukro et sous préfecture de Lolobo, est sortie comme un seul homme pour signifier des actions et décisions du chef Nana Kwame Yao. En effet, selon la population de Ngbekro, Ngbekro souffre des actions de décision du chef Nana Kwame Yao. Se réunissant devant la préfecture d'Atiguakro pour manifester contre les ventes de leurs terres par le chef actuel et un groupe de personnes qui font des attestations villageoises et bradent leur patrimoine. Ce matin, nous sommes devant la préfecture d'Atiguakro pour manifester notre ras-bol parce que ce qui se passe à Ngbekro, notre village, ne nous plaît surtout pas. Nous avons constaté que le chef du village est en train de vendre toute la parcelle de Ngbekro qui ne l'appartenait pas. Et cela, nous ne sommes pas d'accord. Pas plus tard avant-hier, il nous a convoqué à Toumodi. Et il allait témoigner devant, publiquement, devant tout le monde, qu'il y a une parcelle de Ngbekro qui ne l'appartenait pas. Ça appartenait pas à une famille qui est en Ngbekro qu'on appelle Atakwa. Nous disons non et non. À partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus de ce chef. Nous, jeunes étudiants, et travailleurs sans emploi de Ngbekro que nous sommes réunis ce matin, nous ne voulons plus de ce chef Ouléniao en Ngbekro. Si vous êtes d'accord, faites du bruit, mes frères. Selon la population, le chef du village actuel, Nana Kwame Yao, a posé des actions qui visent à nuire aux populations dont il doit être le garant. Donc, je sais vous, on ne peut pas vous faire un petit café. Vous n'avez pas besoin de vous faire un petit café. Vous n'avez pas besoin de vous faire un petit café. Vous n'avez pas besoin de vous faire un petit café. Et moi, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus Quand on a dit que nous sommes en train de se faire, on a dit que nous sommes en train de se faire. La population de Ngbekro attend toujours une suite favorable des autorités compétentes. Sincèrement, nous souffrons. C'est la raison dont nous sommes venus aujourd'hui. Donc nous souffrons énormément. Il faudrait que le préfet de Atiguakro puisse nous aider pour que le problème soit résolu dans l'amiable.